Bonjour chers camarades, nous vous remercions d'avoir répondu à notre appel. Comme vous le constatez, nous sommes là pour échanger sur les avantages et les inconvénients liés à l'exploitation des ressources en eau, cadre de la rivière Djetouekpa de l'Okosa. Sans plus tarder, nous vous invitons à suivre cet élément vidéo qui va nous permettre d'introduire notre débat. Merci. Voilà, chers camarades, vous venez de suivre cet élément vidéo. Quelles sont alors vos réactions par rapport à ce que vous avez vu dans ce film? L'eau constitue un facteur du développement économique car elle fournit à l'homme une partie de sa nourriture. Elle favorise aussi le maraîchage car les plantes ont besoin de l'eau pour pousser. J'ai vu que par certaines pratiques de la population riveraine, l'eau de la rivière est polluée en ce sens que les gens viennent faire leurs besoins dans cette eau. L'eau de la rivière est aussi utilisée à d'autres fins, par exemple pour la préparation et comme boisson. Par vos interventions, nous pouvons conclure que l'eau est un puissant facteur de développement économique. Cette eau est aussi une source de vie, mais par nos pratiques rétrogrades, nous polluons cette eau, ce qui ne favorise pas un développement durable. Quelles sont les solutions que vous envisagez pour éviter cette pollution? Il faut multiplier les campagnes de sensibilisation à l'endroit de la population riveraine sur les pratiques en matière de la protection des eaux. Il faut faire un plaidoyer auprès des autorités de la localité pour la construction des infrastructures socio-communautaires telles que les WC, les forages. Nous voici au thème de notre conférence débat. Nous vous remercions beaucoup pour votre participation. Nous ne prétendons pas avoir tout dit, mais nous croyons avoir dit l'essentiel aux problèmes liés à l'exploitation de nos ressources en eau. Nous vous invitons à continuer chacun de son côté la sensibilisation pour une bonne gestion de nos ressources en eau. Merci.